te dire, c'est bizarre, tiens, il a un stuff un peu de début. Normal parce qu'on est au début. Pourquoi il y a des poulets partout? Je sens le caca arriver. C'est bon, Elra, t'es démonétisé. Je suis jamais monétisé. Me dis pas que c'est dans ma maison que t'as foutu tous les poulets. Non. Sale... Non. Qui c'est qui a fait l'éclairage au spawn? Elra, c'est moi. C'était un bonhomme. Je suis un bonhomme, je te nique ta mère. Gros, j'ai déjà entamé sa sœur, du coup. Il est parti. C'est pour ça qu'à chaque fois que je dis ça, j'aurais le live. Les gars, trouvez le chien. Quand je dis ça, il est mal, on va le torturer. Ouais, on fait du hot dog. Hot dog. Parce qu'il est chaud, le chien. C'est un chien chaud. Oh, les gars, c'est qui a fait ce lac? Ah, c'est moi. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montrais mon cul à tous les passants. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, cette anecdote. Alors, on était, tu vois, genre, en sortie scolaire. Et genre, on était dans un ancien camp de détention, ou je sais pas trop quoi, là, pour les emmener... D'extermination? Ah non, de détention. Non, de détention, et puis après, ils les emmenaient au camp d'extermination, à je sais pas ouais, trop... Ouais, un truc super joyeux, quoi. Moi, tu vois, genre, j'ai l'habitude de dire, ça part au four. Genre, juste comme ça, tu vois. Et là, j'étais avec mes potes et tout. Et puis là, je dis ça part au four. Et en fait, ben, ça partait au four parce que les gens ils allaient dans un camp de d'extermination. Non, je suis en train de crever. Ah, j'avais compris, mais bon, c'était pas trop parti quoi. Mais je sais, mais. Dis que tu retires cette vanne. Je retire cette vanne d'ouf, mais genre, j'ai pas fait exprès, mec. Mais sur le coup, genre, j'étais normal, tu vois, genre j'étais en mode LOL. Il se passe rien, tu vois, genre LOL, c'est vraiment beaucoup trop drôle. Et puis après je me suis rendu compte de ma bêtise. Appelé Flo Poulet. Au final, j'étais pas bien pendant tout le truc du scolaire, gros. On nous revoit après ce plus. Les abonnés, il est tard le soir et aujourd'hui. Il est 19h08. Hein. Oui, c'est tard pour moi parce que j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, t'as vraiment une. Oh merde. Attends, oh non, putain, le con. Elra, reste à côté de Binzo. Ok. Non, vous allez me pousser dedans. Ah, il y en a encore au-dessus, il y en a. Oh, j'en ai explosé un, les gars. Bien joué. Ça servait à quelque chose, putain. Lâche ça là. Yes, il est mort. Putain, c'est toi qui l'as eu, connard. Bande de chacal, bande de non de mais what the fuck. Putain. Oh, j'ai trouvé mon stuff, les gars, il est au spawn. Yeah. Oh, direct, les gars, direct. Go. C'est moi qui l'ai trouvé en premier. Les gars, par contre, si c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Oh ouais, c'est toi qui l'as trouvé en premier. Je veux pas vous voir. Hein. Ah, il y a un bateau. Putain, il y a un bateau, les gars. Oh putain. Le premier au bateau a gagné. Non. Les gars, c'est moi qui l'ai trouvé. Ça fait plaisir, les gars, j'ai trouvé une forteresse direct. Je vous ai tous canon. Hey, salut internet, c'est Alors 110. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3. Je l'apprends que monsieur Grifox et monsieur Bizzo ont décidé de faire. En plus, quand j'étais co, quoi. Épisode. Donc, ils m'ont fait merci, super. Ça, c'est vraiment génial. Bande de gamins. Je vais vous montrer quelque chose de plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. C'est la folie. Ça va vous montrer autre chose d'encore plus cool. Donc, voilà notre bateau. Bande de gamins. Regardez, les poulpes, ils me font kiffer. Bon, quand je veux vous les montrer, ils sont pas là. Voilà, ils sont tout roses. Enfin, en gros, ils font vrai un peu moche, dégueulasse. Bref, la cobble est sympa aussi. Il fait vraiment cobble. Devinez quoi? J'ai pile assez de blocs, mais vraiment pile. Hein. Heureusement, j'ai mis les blocs d'or en haut parce que sinon, j'en aurais pas du tout assez. C'est pile, pile, pile. On est pile! Pile, 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 pile au milieu!
Oh mais tiens, quelle bonne blague. On a foutu de l'obsidienne partout dans ma maison. Ça serait pas secret par hasard? Sérieusement, tu peux pas signer tes pranks quand t'en fais au moins? À moins que ça aide, je sais pas. Bon bref. Au fait, je sais pas si j'ai fait l'intro les gars. Et ça a lu internet, ça va à 110. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5. Si personne n'a encore de villageois mending. Donc si je suis le premier, c'est parti pour faire un shop, hein, les gars. Parce que... Mending, 18 émeraudes, c'est pas très cher. Je pense pas que je puisse trouver mieux parce que c'est vraiment hyper long. J'ai de nouveaux voisins. Donc, ils s'appellent Nespresso et Haze. Et ils sont en train de faire leur... Ils ont fait leur maison. Donc ils ont un peu terraformé tout autour pour la faire ici. Faut faire quelque chose là les gars, c'est tout plat et tout vide. Faites un truc. Ou alors ils font une deuxième maison parce que vu qu'ils sont deux. Donc ça fait plaisir, c'est une nouvelle team. On avait déjà la team d'iDust et Floppy et tout ça là, la clique. La team de Grifox et puis la mienne avec El Señor Captain Raph. Enfin non, maintenant on l'appelle comment? Rubix. Vite, va-t'en. Sors, la clé, sors. La clé. Il a cassé. Tiens, la clé. Merci. Voilà, allez, j'ai rien qui monte. Putain, il est chiant. Waouh, je suis qui est bleu dans le bateau. Ah, mec. Attends, si, je sais comment faire. Donc, je vais faire la petite toute trop parce que quand même. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Le pack, c'était le Autumn Pack, si vous voulez l'avoir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, bye bye.